Alors, qu'est-ce qu'un travailleur indépendant? Cette question est essentielle, mais nous ne pouvons pas apporter aujourd'hui une réponse définitive, car il n'y a pas de définition légale du travailleur indépendant. Il y a, dans le Code du travail, un article qui nous dit que est présumé travailleur indépendant celui qui détermine exclusivement les conditions de son activité professionnelle, mais on pense que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres critères qui caractérisent le travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, c'est d'abord celui qui exerce la liberté d'entreprendre. C'est celui qui va formater l'exécution de son activité professionnelle en toute liberté, et à l'égard de son donneur d'ordre, il sera dans une situation d'indépendance dans l'organisation de sa structure et bien sûr dans l'exécution de la relation qu'il va nouer avec son donneur d'ordre. Mais le travailleur indépendant, c'est aussi celui qui va avoir des clients et qui va rechercher ses clients. C'est celui qui va pouvoir fixer aussi librement sa rémunération. En gros, les honoraires pour bon nombre d'activités comme les professionnels libéraux. Donc, on a quelques critères, il y en a d'autres, qui permettent de mieux identifier le travail indépendant. Faut-il le faire? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il est temps de donner aux travailleurs indépendants et à la définition du travail indépendant, c'est véritable lettre de noblesse pour stabiliser et sécuriser le travail indépendant. Nous assistons à un développement du travail indépendant, et c'est une excellente chose pour notre pays, car il faut développer la démarche entrepreneuriale, et le statut, entre guillemets, pour statut de travailleur indépendant, c'est celui qui permet justement de développer cet entrepreneuriat qui est important pour notre pays. Car trop souvent, on situe le travail indépendant par opposition au travail salarié et à partir de la définition du travail salarié. Si nous avions et ce que nous avons une définition du travail salarié et une définition du travail indépendant, nous aurions à ce moment-là deux définitions, ce qui peut-être permettrait aussi d'enlever quelques tensions que nous rencontrons parfois et de mieux identifier un certain nombre de situations, comme notamment celles qui se développent, ubérisation de l'emploi ou autres, qui parfois posent un certain nombre de difficultés. Alors la question de la protection du travail indépendant se pose aujourd'hui parce que même si je suis dans le cadre d'un travail exécuté à titre indépendant avec une liberté d'entreprendre, il y a des matières de protection qu'il faut développer. Au regard par exemple du chômage, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé une universalisation du chômage et donc l'entrée des travailleurs indépendants dans le régime, parce qu'ils peuvent à ce moment-là bénéficier aussi des droits liés à une perte d'activité. Nous avons aussi la question, bien sûr, des retraites qui sera traitée par l'universalisation des retraites, mais nous avons des situations de travailleurs indépendants, économiquement dépendants. Et pour ces travailleurs indépendants, économiquement dépendants, le lien de dépendance économique, que par exemple les Espagnols ont situé à 50% de lien avec un donneur d'ordre, mérite à ce moment-là une certaine protection, parce que quand je suis dans cette situation de dépendance économique, le risque est plus important, car ce qui est fondamental dans le travail indépendant, c'est que j'assume mon risque économique. Mais si je me trouve dans une situation de dépendance économique, à ce moment-là, si le contrat s'interrompt, je peux avoir une activité qui va péricliter. Donc, on a des réflexions qui ont été menées pour mettre en place des protections. Et assez récemment, la loi travail a mis dans le Code du travail des dispositions spécifiques aux travailleurs de plateformes numériques, tout en reconnaissant que ce sont des travailleurs indépendants, mais en permettant de bénéficier d'un certain nombre de protections. Donc, il n'est pas anormal de songer à développer quelques protections dans le cadre du travail indépendant. Après, c'est une question évidemment de dosage et de situation d'indépendance. Alors, il y a des recommandations de notre rapport de 2008 qui ont déjà été reprises dans la loi travail. Il y en a d'autres qui pourraient effectivement être reprises dans le rapport de 2017. Mais je pense que l'objectif du rapport de 2017, c'est d'abord de proposer une organisation juridique du travail indépendant, avec d'abord une définition du travail indépendant, avec les critères que j'ai indiqués tout à l'heure, et notamment bien faire comprendre la différence majeure entre le travail salarié et le travail indépendant, alors par une analyse juridique, mais après il faudra le faire comprendre aussi par une analyse plus sociologique, et notamment bien expliquer aux jeunes travailleurs qui veulent rentrer sur le marché du travail, c'est quoi la grosse différence. Et pour moi la différence importante, c'est
quand je suis travailleur indépendant, j'assume le risque économique de mon activité. Quand je suis travailleur salarié, je n'assume pas le risque économique. Et vous pouvez avoir ce qu'on a déjà depuis des années et des années, par exemple des professionnels libéraux, et les professionnels libéraux sont au cœur du travail indépendant, qui pourtant exercent aussi en tant que travailleur salarié. Donc, par exemple, un avocat peut être avocat salarié, un médecin peut être médecin salarié. Et là, on dit, mais il est pourtant dans l'exercice de son art indépendant, tout à fait. Et l'indépendance de l'exercice de l'art n'empêche pas d'être travailleur salarié. La grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui assumera l'indépendant le risque économique de son activité, l'autre n'assumera pas. Donc, je pense que ce rapport peut nous faire avancer vers cette reconnaissance plus forte en termes juridiques et cette identification plus forte du travailleur indépendant, ce qui permettra, ce que j'ai dit tout à l'heure, de mieux développer le travail indépendant.